Et re-bienvenue sur le channel de Bébert et Freeman. Ouh. Et on attaque le level 3. Après avoir fait level 1 et level 2 de manière magnifique, n'est-ce pas? On a été beau, C'était grand et beau. fort. Tiens, je fais péter les anciens direct là, je suis en fou. On se rapproche de chewing-gum. Ah, du blue, tout le blue. Donc moi j'ai changé mes armes, ce qui m'a fait passer de 300 DPS à 438, voilà. J'ai même gagné 500 HP au passage en changeant mon bas d'armure. À combien t'es toi? Vas-y, mets-moi la honte. T'as 6000 HP, mais Quoi? t'as combien en dégâts? En dégâts, j'ai pas beaucoup, je suis à 350. Oh, le noob. Et sinon, c'était quoi mon armure? Je suis à 810. 1002 moi presque. Où est-ce qu'on va par là? Normalement, avec mes passifs, ouais, c'est ça, j'ai 20% d'esquive. Ouais, mais moi j'ai mis mon passif d'armure, dans le doute. Dans le Mais c'est doute. mieux, hein. Moi, si j'avais de l'armure au lieu de l'esquive, je la prendrais pas. Ah, tu vas Je l'avoir préfère bientôt là. résister à tous les dégâts C'est plutôt quand que tu que... l'as ton passif? De quoi? D'armure, j'en ai pas. T'as Il pas un y en truc qui avait, si, convertit il y ta en avait un. dextérité en Ouais, il y armure? en avait un avant, mais c'est plus rentable maintenant. Pourquoi? Parce que vaut mieux prendre le 15% d'esquive. Pourquoi? Parce qu'avec la dexté, même à haut niveau, ça compense jamais les 15% d'esquive, quoi. Bah oui, mais si c'est capé, t'es 15% d'esquive, peut-être mieux d'avoir de l'armure. C'est pas vraiment capé. C'est du rendement. À moi, à mon niveau là, enfin au niveau 60, Armageddon, tout ça, ça fait que 11%, je crois, ou 10% au lieu de 15. Mais Et bon. 10% d'esquive, c'est mieux que ce que tu gagnerais en armure. Ouais. D'accord. Bizarre. Parce que moi, je trouve que vraiment, à haut niveau, l'impact de l'armure est vraiment très fort. Moi, j'en ai pas beaucoup et ça me manque. Peut-être que je De toute revois façon, un petit avec peu de mon autre manière. perso, il faudrait revoir les builds hein, dès que le patch va sortir parce que là, bizarrement, Faudrait déjà que je vais je rejoue retourner mon faire perso, du. moi déjà. Je vais retourner faire du MP8. Eh oh, qu'est-ce que t'as contre ceux qui jouent en MP8? Puis insulte pas nos viewers, hein, attention, hein. Vous avez vu comment il se la J'arrive. pète là? Ça y est, il met des J'ai vidéos où juste. il solote le MP10 et ça y Eh est, oui, il mais ça s'en fait fait chier de péter. pouvoir le faire et après de pas pouvoir le Ouais! faire. Bon, on se concentre, on attaque chewing-gum là quand même. The The larder. larve. TG. Ah, j'ai oublié les Je dégâts. me rappelle la première fois qu'on l'a affronté, on l'a tellement détruit, on n'a pas compris que c'était un boss, quoi. Ah, là, je sens que ça va être pareil. Un petit coup d'ignore pain, La histoire vie de. descend quand même. Ouais. Balance ton heal quand même, dans le doute. Ouais, j'attends J'ai pas envie que de ce soit popoter. pas. Voilà. Voilà. Tiens, bah, regarde, pour la peine, tu vas te démerder. Non, mais ouais, non, je suis d'accord, faut le bouger. Ouais, dans le doute, je prends une popo. Allez. Ouais, enfin bon, ça reste trivial. Et déjà mis life. J'ai mon ignore pain qui revient, j'ai même pas utilisé les anciens. Nalala. Je les ai repoussés sur toi, j'ai été sympa. Chewing-gum. I've been healed. Oh yeah. Allez, on va le tuer comme ça. Lâche. J'aurais quand même pris deux potions pour le fight. Adieu, Chewie-Cob. Rest in peace. Yeah! C'est très difficile. Attends, on a été complètement focus là sur le combat, on a tout donné. Ah, il m'a filé un wand de merde et une ceinture. Mais c'est pas mal ça, dis donc. Ça va peut-être t'intéresser, moi j'ai un mieux. Pouvez-vous dire mieux? Mieux. Trop tard. Oh, bâtard! Je perds de l'armure, mais ça me va. Fais tourner. Thank you. Thank you, thank you. Go down? Ouais, go down.
coup, du coup, est-ce que j'ai une gemme qui traîne? Alors, je vais mettre cette bouse. Je vais mettre la bouse. Give me one second to remove the gem. Oh, attends, je vais activer les quêtes, les petits mobs, tout ça. Yeah. 4126 points de vie. Tuc tuc tuc. Merde, j'aurais pu revendre mes bouses au passage. C'est quoi après déjà? C'est directement les champs là? Ouais. Je viens de faire la petite cave. Non, faut aller en haut. Ah oui. Ah oui, oui, oui. Putain, je suis rouillé sur les quêtes. My god. Je me suis entraîné pour le moins d'une heure. Sur l'acte 3 aussi? Non, pas encore. Mais alors l'acte 1, mais... Oh là là. Moi, j'ai et bizarrement, je crois que l'acte 2, je sais plus si c'est l'acte 2 ou l'acte 3, il me manque encore plein de trucs hein, dans les HF. Oh, moi, je dois en avoir plein vu que j'ai pas regardé. Genre déjà le fameux... le fameux truc à trésor là. C'est la caverne qui s'effondre, il faut sortir avant qu'elle soit détruite. Ah oui, ça oui. On n'a jamais eu l'occasion de la faire correctement. Non, parce qu'en Armageddon MP8, bizarrement on n'y arrivait pas. Il nous suit, oui. Depuis quand on a une quête où il y a un mec si, si tu libères tous les pecnos, ils sont contents. Enfin, moi je les ai jamais tous libérés, j'avais pas que ça à faire, mais. Je m'en fous, moi, je suis là pour te taper. Ah, oh, ces petits connards, ça y est, ils me gavent déjà là. Allez hop, venez m'aider. Faut prendre un TP. Ouais, faut surtout se barrer parce que ça fait mal. Tu t'occupes de ces connards là? Ouais. Qu'est-ce que ça fait mal ces mobs là? Qu'est-ce qu'ils font mal? Moi je crois que c'est le deuxième mob qui m'emmerde le plus après les gros qui se TP sur toi de l'acte 3 là. Parce que eux... Et les morlus. Les merlus. Bah remarque, les mecs explosent, à mon avis, quand t'es hardcore, c'est quand même super chiant. Ah oh, oui, je pense qu'on va courir. Hmm. Mais ce morceau d'axe, ça ressemble quand même vachement à l'acte 5 de D2. Hein. Au niveau des mobs, avec les machins qui s'enterrent, les mecs qui explosent, les catapultes, le mont qui est assiégé. Non, c'est pas pour me déplaire, hein, parce que l'acte 3 c'est quand même mon préféré. Enfin, mon préféré. Ah, je pense que l'acte c'est 4. L'acte 4 quand même. On va chez les anges, je sais pas. C'est quand même puissant. C'est puissant. Ouais. Mais il est pas assez random en fait, ça m'embête. Ouais. Puis surtout, les donjons sont nus à chier, alors c'est toujours un peu frustrant. Oh là. Inexistant. Si, si, ils sont là. Ça qui est chiant. S'il y en avait pas encore, on pourrait pas critiquer. Mais là, il y en a et ils sont nuls. Ah, il y a de la barbac qui arrive là. Dans les mains. Alright. C'est par là, mon coco. Je lutte. Ce passage, mais je sais pas combien de fois je l'ai fait. C'est gras. Pour rusher les élites. Mon dieu, mon dieu, mon dieu. Super, en TP, ouais. Donc là, on cherche pas la cave, hein. On essaye juste d'aller tout droit. Là. Alors, ils sont chiants, quoi, partout. Alors, ouais, y a du monde là. Hein. Voilà, hop, on fait péter les ancients. Oh, y a des globes partout. C'est bon, on va pas crever. Ça, c'est l'avantage du mode normal. Hein. Tu tues deux mobs, t'as un globe qui pop, quoi. Ce que je trouve dommage, c'est que les runes, pour le skill des anciens, les runes sont jamais... Cavern Frost. Sont jamais sympas. Sinon, c'est vraiment un skill que j'aimerais garder. Mais dans le doute, je vais prendre le Berserker, parce que de toute façon, ça permet aussi de s'enfuir. Ça paraît fort. Ça, c'est pareil, ça, les runes, pour l'allié mystique, mais tellement jamais j'ai utilisé skill. Déjà, c'est parce que t'aimes pas ce mode des mecs.
pour commencer. Ah, c'est horrible. Ce mec est anti-summon, allez savoir pourquoi. Le druide dans D2, moi, qu'est-ce que je me marrais avec toutes les invoques qu'il faisait. Plus que le nécro d'ailleurs. Ouais, quand même, ça pique là. Ouais, fais gaffe. Petit coup de chaud pour le bébé là. J'essaye de rooster ces connards, mais. Ils font vraiment mal. Je tape à 2. Putain de merde. Tiens, crève. Thank you. Faut que je charge un peu ma furie. Oui, donc ouais, je m'attendais à ce qu'ils soient relous et en effet, ils sont au rendez-vous. Merde, on a ces. On est con. Il y a toutes les catapultes à péter. Énorme, le mob il a mis son spell de protection sur le totem. Quel petit salopard. Oh, calmez-vous là. Merci. Donc alors on a trois catapultes à faire, tu vas à gauche, moi je vais à droite. Là je pense que c'est la mort assurée. Si on les... Et on se rejoint en haut. En haut. À la lumière. Voilà, c'est ça. Quand même un peu plus de dégâts qu'avant, mais ça reste pas suffisant pour être ultra safe. Je pense que là on atteint le palier où le MP10 se fait ressentir versus l'arme max que tu peux avoir, quoi. I agree, sir. Ah la vache! Oh, coup de lag. Ça fait toujours plaisir en hardcore d'avoir un coup de lag. Ou alors c'est ce machin qui m'a bumpé comme ça. Ah bah mon. Yes, maybe. Mon premier et seul perso qui est mort. C'était un coup de lag. Un super coup de lag, oui. Level combien? 25, je crois. Oh, ça fait plaisir. Moi j'avais perdu, il était level 12 ou un truc comme ça. C'est la première fois que je jouais l'event avec les arbres, acte 1. Je connaissais pas, je suis allé, puis tout d'un coup j'avais 6 arbres qui ont popé autour de moi, puis je me suis pris tout le poison, puis la popo elle disait bah non, ça suffit pas, d'accord, t'es mort. C'est assez triste. Mais c'est qu'il y a du monde, hein, les cocos. Vous allez voir quand on va aller dans le cratère, on vous fera pas le plaisir de crever. Non mais. De mes 10 ans. Bon, on finit la petite vidéo là-dessus. Ah, mais putain, mais c'est pas fini, il y a les deux autres. Non, non, oh là oui, là, putain. Oui, je t'avais dit. On a tellement l'habitude de rusher, mais c'est horrible. On est là pour un. Some purpose. C'est notre destinée. Non, je ne crois pas à la destinée. Et pourtant. Pourtant. Ah putain, Germaine, oh des connards élites. Des connards jaunes. Je les ai bumpés parce que là. À la cloche. Je les ai bumpés aussi avec mon Ignore Pain. Dans le doute. Ah vas-y, je te le laisse, moi je vais tuer la pute là. Pardon, excusez-moi pour mon vocabulaire. Hop. J'ai pas d'ancien dispo. On va se démerder, ça a l'air de passer bien. Quand donc il est stunné. C'est 15 anciens. Oui. On peut faire l'appel à un ami. Mais ils sont où ces fucking trucs là? Et c'est ils pas sont possible. Où? Non mais c'est pas permissif déjà. Quoi. Pourquoi systématiquement on a nos moules sur nos trajets quoi? Mais parce que c'est le Deus qui a envie qu'on se promène. Il veut qu'on soit beau, qu'on soit grand, qu'on soit fort, qu'on soit méritant. Je voudrais pas être balancé, mais j'ai l'impression que c'est à gauche qu'il faut aller. Hein. Ouais. Vas-y, me suis pas. Je m'en mets en mode brouette, je fuis.
Et ça, c'est que la deuxième. Hein. Parce que si j'appelle les potes là. Oui! C'est ça les mecs, ça DPS. C'est beau, c'est grand, c'est fort. C'est précis. Voilà, taille-moi cette shit là. Oui, speed, bien. Allez, moi j'ai entendu du bruit au grenier. Le grenier, c'est par là. Ah, c'est là. T'en fais peut-être les meubles avant. Oui. Ouh, mon garçon. Ouh, je te ramène du monde là. J'espère que t'as tes CD. Ouais. Tu me dis quand tu les bump? Ouais. Non, bah c'est bon. Je les rebump quand même dans le doute, mais. Voilà cette rune que j'avais jamais utilisée pour le Ignore Pain qui bump les mods. Bah, en fait, c'est sympa. Ça sert, ça a son utilité. Hop, on va dans la mêlée pour faire un petit coup de déchirure. Et ensuite on snipe. Oh, ce bug, attends. J'avais De jamais quoi? vu. Bah, le petit fil qui t'attire là de cette bestiolerie là. J'ai jamais fait gaffe. Le grappin? Ouais. Et oui, parce qu'on peut faire saigner les machines de guerre. Voilà, et on se Oui, casse de là. on s'en va. On se casse de là et puis on va terminer la vidéo là-dessus, hein. Qu'est-ce que t'en penses? Oui, bah oui. Allez. Entre le gomme et le truc, je pense que... Il y avait du contenu. Et on approche bientôt du level 31? Ah, Ah non, c'était de l'épisode de la 31. vidéo. Mais Également. ça On doit sera être peut-être level 31 à 28, l'épisode hein? 31, hein? Peut-être, ouais. Peut-être. Allez, Allez, sur ce, bye bye. ciao, ciao!